à l'aide, SOS, Mayday, je ne sais pas trop ce qu'on est censé dire à la radio. Je m'appelle Rex Goodman, et je suis retenu prisonnier au sommet de Trinity Tower. Je pense que les super-mutants ont l'intention de me manger incessamment sous peu. Je passe le message en mode répétition. Oh merde, je dois couper, j'entends un super-mutant qui arrive. À l'aide, SOS, Mayday, je ne sais pas trop ce qu'on est censé dire à la radio. Je m'appelle Rex Goodman, et je suis retenu prisonnier au sommet de Trinity Tower. Je pense que les super-mutants ont l'intention de me manger incessamment sous peu. Je passe le message en mode répétition. Oh merde, je dois couper, j'entends un... Et vous avez entendu Skeeter Davis. Salut à tous, ici Travis Mice le solitaire qui va vous annoncer une nouvelle pas banale. Il paraîtrait qu'un groupe de soldats de la confrérie de l'acier aurait été aperçu dans le Commonwealth. Ils ont eu des difficultés au vieux poste de police de Cambridge. Quel genre de difficultés? Nous n'avons aucun détail pour le moment, mais quand on connaît l'arsenal militaire de City, on se dit que ça devait être grave. Mais tout a fini par s'arranger et ils vont bien, notamment grâce à l'intervention de notre ange de l'abri bien-aimé, qui passait justement par là. Coup de chance pour eux. Je vous dis bravo d'avoir survécu. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et voici It's a Man de Betty Hutton. Donc, c'est nous.
Y a plus rien. Ouais.
Warren Smith avec Uranium Rock. J'espère que ça vous a plu. Chers auditeurs, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler d'une chose qui me touche personnellement. Inutile de le cacher, je n'ai pas toujours été très doué pour ce travail. On peut même dire que j'étais horriblement mauvais. Vous le savez, je le sais. C'est rien, ça. Mais grâce aux efforts de quelques amis, j'ai décidé de changer ma façon de voir les choses et d'appréhender la vie. J'en profite pour remercier l'ange de l'abri, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Mais assez parlé de moi, chers auditeurs. Hein ? Il est temps de passer. J'entends quelque chose. C'est à moi, Mini. Et voici Butcher Pete, le retour. Pouvoir te planquer. Quand tu te pointeras, je te tuerai. Aucun signe. Il y a une chaîne de l'autre côté.
Je déteste quand il me supplie. C'est juste... Hé hey. C'est quoi ce bordel? On remballe, les gars. Y'a rien du tout. De quoi? Y a quelqu'un? Qui est là? Alors on s'éclate? Je pourrais faire ça toute la journée. Y a quelqu'un? Merde, je vois plus personne. J'ai tout mon temps, moi. Il est passé, ce connard. Ça sert à rien de se cacher. Ce sera bientôt. Ouais, c'est ça, cours. Donc ils sont toujours là? Non, je parie qu'on perd notre temps. Pas encore. J'ai toujours les poils qui sont hérissés. Merde, c'était... C'est fini. Lâche-moi. Oh. C'était personne. Dernière nouvelle, les amis. Nouvelle communauté a été fondée au nord-ouest. Un groupe de prisonniers déterminés a décidé d'ériger Sanctuary. Souhaitons-leur bonne chance. C'est toujours bon de savoir qu'un nouvel îlot de civilisation a vu le jour dans le Commonwealth.
À ce sujet, il semblerait que les miliciens soient en pleine reconstruction. Tu vas bien devoir recharger un jour, proposer leur aide à Sanctuary. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Commonwealth est plus que jamais en manque d'anges gardiens. Voilà une chanson qui parle d'un temps que les moins de 200 ans ne peuvent pas connaître. Metalbrit, Uranium Fever. T'en as pas marre ? Oh, reviens, je m'amusais bien, moi. Sors de là. Ce sera rapide, promis. Pauvre lâche. Ok, c'est bon.
Sacré morceau, pas vrai? Orange Colored Sky par Nat King Cole. Putain, merde! Par ici, vite! Qu'est-ce qu'il y a? Dernière nouvelle, les amis! Une nouvelle communauté a été fondée au Nord-Ouest. Un groupe de pionniers déterminés a décidé d'ériger son... Qui? C'est toujours bon de savoir qu'un nouvel îlot de civilisation a vu le jour dans le Commonwealth. À ce sujet, il semblerait que les Vénitiens soient en pleine reconstruction et qu'ils aient proposé leur aide à Sanctuary. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Le Commonwealth est plus que jamais en manque d'anges gardiens. Détendez-vous et profitez de la musique avec les Five Stars. Atom Bomb Baby. Hein? C'est rien. Enfin, je crois. Je dois devenir dingue. Mais il n'y a pas eu un bruit. Pourquoi vous jouez tous les héros?
reviens, je m'amusais bien, moi. Ça sert à rien de se cacher. Ce sera bientôt fini. C'est n'importe quoi. Venez vous battre. C'est que dalle. Merde, c'était quoi ça? Du bruit. C'est que du bruit. Je sais que t'es là. Je vais te trouver. Quand tu te pointeras, je te tuerai. Si je suis sûr, je sais. Tu fais-tu boire, hein? Yes.
Pas hâte de descendre de là comment, Chris? Ça me tue. Louise Jordan, les amis. Un grand monsieur. En direct, presque live de Diamond City, c'est votre présentateur préféré qui vous parle, Travis Miles, le solitaire, sur Radio Diamond City. Si vous avez déjà été amoureux, cette chanson des X-Spots est faite pour vous. T'es où? Il est fin, mais j'ai pas besoin.
train de surveiller les salles mutants de Trinity Tower quand j'ai vu un type sorti de nulle part. C'est quoi ce bordel? J'étais en train de surveiller les salles mutants de Trinity Tower quand j'ai vu un type sorti de nulle part qui arrivait en courant. Il les avait forcément vus de loin. Il pouvait pas les manquer. Mais il a pas ralenti pour autant, le mec. Il a même pas essayé de se planquer. Merde, c'était quoi ça? On va s'éclater! Ah ouais. Thank you.
appel à tous les fans de Silver Shroud. J'ai une mission urgente à vous confier. Si vous aimez vraiment le super détective, venez à l'antre de la mémoire et demandez Kent Connolly. Silver Shroud a besoin de vous. Galaxy New Radio. C'était Billie Holiday. En direct, presque live de Diamond City, c'est votre présentateur préféré qui vous parle. Travis Miles, dit le solitaire, sur Radio Diamond City. À suivre, Billy Ward and the Dominoes avec 60 Minute Man. C'est fermé.
Salut. Rien qui m'intéresse. Come on, pass away. S'amuser avec moi, hein? Aucun signe. C'était Tex Beneke. Radio Diamond City ne pourrait exister sans le concours des commerçants exemplaires de la ville. Commonwealth Weaponry, nous vivons dans un monde dangereux. Avez-vous ce qu'il faut pour vous protéger, vous et c'est votre dalle. Ici Travis Miles de Solitaire qui vous offre Uranium Rock de Warren Smith.
à m'échauffer. Alors, quoi? On joue la fille de l'air? Hein? Hey. Thank you.
Voyons, calmons. Crosby, les amis. Chers auditeurs, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler d'une chose qui me touche personnellement. Inutile de le cacher, je n'ai pas toujours été très doué pour ce travail. On peut même dire que j'étais horriblement doué. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Et grâce aux efforts de quelques amis, j'ai décidé de changer ma façon de voir les choses et d'appréhender la vie. J'en profite pour remercier l'ange de l'abri, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Mais assez parlé de moi, chers auditeurs. Il est temps de passer à la musique. Elton Britt pour la suite. J'ai du mal à imaginer une époque où se promener avec un compteur GGR était une activité amusante. Mais bon, allons-y. Crosby, les amis. Chers auditeurs, chères auditrices, je suis sûr que vous avez lu ou entendu parler de la dernière édition de Déballage Public. Notre journaliste, sans peur et sans reproche, lance un pavé dans la mare. Des synthétiques vivraient parmi nous à notre insu. Ce qu'elle prétend est vrai, c'est une véritable bombe. Par le biais d'un communiqué officiel, le maire et son équipe ont remis en cause la validité de l'article et assurent que tout va pour le mieux à Diamond City. Le maire en personne affirme avec force que les craintes soulevées par la journaliste sont totalement infondées. C'est bon à savoir, j'imagine. Mais entre nous, chers auditeurs, je vais ouvrir l'œil et le bon, on sait jamais. On n'a jamais le temps de s'ennuyer sur Radio Diamond City. Elton Britt pour la suite.
J'ai du mal à imaginer une époque où se promener avec un compte de chère était une activité amusante. Mais bon, allons-y. Ok, c'est saute. J'entends quelque chose. J'ai arraché les tripes et en faire un collier. Tu